salut. Aujourd'hui, on a fait une battle de voitures radio commandées sur Scrap Mécanique avec Julien. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne qui sera dans la description. D'autre part, je voudrais dire que je n'aurais pas eu la bonne idée de faire des voitures radio commandées si je n'avais pas vu cette vidéo. D'ailleurs, je la mettrai également dans la description. Et je vous conseille vivement de ne pas vous arrêter que sur cette vidéo, mais d'aller checker la chaîne de ce gars. Et je peux vous dire que là-bas, les gars, il y a du niveau sur Scrap Mécanique. Donc voilà, je trouve qu'il fait un travail absolument énorme sur ses constructions. Et franchement, il a pas beaucoup d'abonnés. Bref, je me répète, mais allez voir ses constructions parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Et nous, on switch tout de suite sur la vidéo. Allez, c'est parti, let's go. Bon, aujourd'hui, on est avec Julien. Ça va, Julien? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Bon, du coup, on a décidé de faire un petit truc. On va se faire une battle de voitures télécommandées. Mais avant ça, bah, faut qu'on les construise, les voitures télécommandées. Donc, Julien, je vais t'apprendre comment construire une voiture télécommandée. D'accord, je suis ton élève. Ça va être un truc de malade. Pour faire une voiture télécommandée, Julien, il faut poser un machin comme ça. Très bien. Pose ton lift, toi aussi, à côté. On va se faire chacun une voiture télécommandée. Regarde, au début, Julien, en fait, il faut faire un carré, genre, tu vois. Je vais poser mon truc de pilotage comme ça. Ici, ce sera mon poste de pilotage. Très bien. Ensuite, sur ce carré, regarde bien, tu poses un roulement. Comme ça, en fait c'est une sorte de glitch. Tu poses un cube, tu reposes un roulement. Voilà, et après, bah après faut faire une voiture. Donc bah vas-y, fais, vas-y. D'accord, mais après il faut détacher ça. À la fin, quand t'auras fait toutes tes connectiques, ça va être un petit peu une bataille à la, comment dire, à la Transformers un petit peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du coup, pour le tuto plus en détail, vous irez voir la vidéo dans la description. Moi, je vais plutôt m'attarder pour faire la voiture télécommandée. Je vais mettre deux trucs comme ça là, ok. T'inquiète mon vieux, moi ma bagnole ça va être un truc de dingue. Ça va être une dinguerie totale. Un camping-car là, non? Ah ouais, mais ouais, c'est vrai, on va pas rentrer dedans. Qu'est-ce que je... Oh putain, tu fais quoi, toi? Oh, le salopard, il est en train de faire un char d'assaut, un tank là à côté. Il est malade, lui. T'inquiète, je vais mettre des petits trucs là, genre ça va être bien stylé comme ça. Putain, on dirait la voiture de la DDE, mon machin, tu vois. C'est le truc pour les travaux, quoi. Putain, je sais pas ce que je suis en train de faire, mais je le fais. Délire, mon vieux, ce que je suis en train de construire là. Po. Ah oh ben, bah, je t'ai dit, moi j'ai pas fait semblant. Non. Alors, Julien. Attends. Alors. J'ai mon mot. Oh putain. Ah. Attends, tu vas alors, voir. Alors. Tu vas alors. Tomber, tiens, il va tomber. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il va tomber. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que moi, t'inquiète, moi je vais y mettre de la patate, moi. Je vais mettre 4 moteurs électriques. Voilà, ça va être bon. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai fait un canon, mon gars. Oh putain. Ah ouais. Oh le salopard. Beau char d'assaut. Oh le canon qu'il a fait. C'est la gelate mobile version 2.0, t'inquiète. Batman, il peut aller se cacher à côté de ça, mon vieux. Direct. Ça, on va mettre ça. Oh, c'est quoi, ça? Ta salopard, c'est toi qui m'as enlevé mon machin, là. Je rigole, c'est pas moi. Putain, espèce de salopard. Va. C'est pas moi, je sais pas, il s'est passé. Surtout, une fois que on a enlevé le carré qui relie la voiture avec la plateforme, il faut plus utiliser le lift, hein. Sinon, ça fait tout bugger. Le lift, c'est le truc qui retient toute ta construction. D'accord, on touche plus, d'accord, très bien. Faut plus y toucher. Ça, on va mettre tout ça pleine patate. Moi, du coup, je vais te mettre des interrupteurs aussi. T'inquiète. Ouais. T'inquiète, la guinguette. Ouais. C'est plutôt voilà. Pas mal ce que je fais. Je vais te mettre un interrupteur là. On va relier tout ça là. Après, ça va être la battle, mon vieux. Hein. Ouais, et j'ai bien peur. Ah bah, c'est la battle des temps modernes, là. Aïe, voilà, aïe. Ça c'est bon. Ça tourne dans le bon sens. Fais gaffe à tes roues aussi en bas qui tournent dans le bon sens et à ta direction. Hein. Ouais, bah, je pense que c'est bon, hein, je les ai réglés. Ça c'est important, ça. Hein? Qu'est-ce donc qui est important?
Hein? Chose. Ouais, attends, qu'est-ce que tu manigances de l'autre côté? Qu'est-ce que tu manigances de l'autre côté? Le hein côté, le côté mignon. Ouais, ouais, côté mignon. Regarde, bah viens voir. Qu'est-ce que tu m'as fait? Oh, un petit cadeau. Qu'est-ce que comme c'est comme on est une armée, on va en mettre plein. Putain de cochon. T'inquiète non, pas, vas-y. Quoi, moi aussi, je vais mettre des canards. Eux, c'est un canard. Mettre un canard ici et un canard là-bas. Impeccable, mon vieux, c'est l'armée des canards. Alors. Merde, ça marche pas. C'était quoi ce bruit-là? C'est quoi ce bruit-là? Putain, t'as fait quoi? T'as fait vraiment un canon, toi, ou quoi? Oh! Ah, il a mis la radio! Excellent! Ça, c'est au cas où je me retournerai. Voilà. Ah, le cochon, il se retournera pas. Parce que, en plus, je savais qu'il allait se retourner. Parce que t'es en train de construire un truc en hauteur, mais dans ma tête, je m'y attends. Un truc qui va bien tomber sur le côté là. Je prévois, Et, ok, bon, bah, je pense que c'est pas mal. Ouais, bah, moi, c'était go, et ben moi, je suis go. Toi, t'es go, toi? Ah ouais? Attends, peut-être un petit truc là. Attends. Vite fait. Je vais faire juste un truc. Je te conseille de faire pareil. Notre poste de pilotage, on va le mettre en hauteur. Moi, en tout cas, je vais le mettre en hauteur. Voilà, tu vois, genre, je vais faire un machin comme ça. Normalement, si j'enlève mon bloc là. Attends, c'est lequel? Putain, je sais plus c'est lequel. Si j'enlève ce bloc là. Normalement, toutes les connectiques devraient rester. Normalement. Yes! C'est bon, toutes les connectiques sont restées. Ok! Ça c'est cool. Donc voilà, tout est prêt pour le pilotage. Surtout après, ne réutilise pas le lift. Hein. Normalement, bon, si je fais ça. Par contre. Ouh. Oh. Ouh. Oh, il a du mal, le cochon. Oh, il a du mal. Regardez-le. Pourquoi elle tourne pas? Pourquoi elle tourne pas? Elle tourne mal. Ah, c'est trop tard. Hein. T'inquiète. Je t'attends. Je t'attends pour la battle, mon vieux. Alors, on va l'avoir. On va l'avoir, vous en faites pas. Elle tourne mal, ma bagnole. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Dégage. Alors, allez, j'arrive. Attention, trompe-toi pas de bloc, hein. En fait, j'ai pas confiance en mon char d'assaut, là. Ton canon, il me fait peur. Alors hein, tu veux te frotter à moi? Chargez. Alors, aïe. Ah, il part en cacahuète, mon machin. Alors, viens, attends, allez, viens. Bouge pas, j'arrive. Arrête de fuir, on en vient. Chargez. Attends, j'ai un problème avec le volant. Quand je tourne à droite, et il tourne à gauche. Ah, bouge pas. Attends, bouge pas. Ramène ta voiture vers moi. Ramène ta voiture vers moi. Là, arrête, arrête. Arrête, couture, arrête. Ramène ta... Ah, stop. Arrête là. Vas-y, maintenant, ça devrait tourner dans le bon sens. Ah, c'est mieux. C'est bon? Ouais. Ok, attends, j'arrive. Attends, bouge pas, j'arrive. Avec la tête de mort sur mon canon. Alors, alors, hein? Alors. Et je te remarque, moi, que tiens. Et regarde, même. Allez. Ah! Putain, il est pas assez lourd. Alors? Alors, cochon? Elle s'envole ma bagnole, mon vieux! Putain! J'avais prévu ça. Il y a une araignée. Elle vole! Chargez! Arrête de fuir, reviens! T'inquiète! Viens, bouge pas, bouge vas-y, pas, je vais te retourner! Ouais! Mais le truc, c'est allez, que toi, t'as pas pensé à un truc! Si je te retourne, tu te retourneras pas, tu vois. Tu pourras pas me retourner. Ah, tu crois ça? Ouais, j'en suis même sûr. T'inquiète, regarde. Vas-y. Tiens, prends ça, mon vieux, alors. Tiens, j'attaque ton truc de pilotage, moi. Vas-y, vole. Merde, je suis parti loin. Je trouve qu'il peine à tourner, mon machin. J'aurais dû mettre les roues directrices arrière. Bah, moi, il est carrément à l'envers. C'est une tortue, mon truc. Oh, comment qu'il peine à tourner? Moi, il tourne bien, en tout cas. Moi, il tourne pas bien, putain. J'ai mal fait la direction et tout, là. Je pensais pas qu'il allait se retourner, tu vois. Ah, il essaye. Merde. Je suis parti loin. Je sens suis parti trop loin. Je sens le canon.
Il a réussi à se foutre sur le canon. Allez, on fuit, on fuit, on fuit. T'inquiète, allez, retourne à la maison. T'as, j'attaque ton... Non. Je vais attaquer ton poste de pilotage. Vas-y, je vais défendre mon... Merde, tu es sur le toit. Eh, regarde, elle roule encore sur le toit, ma machine. Reviens, salaud, reviens. Alors, salopard. Vas-y, réacteur. Ah. Je te dégage, ouais. Salopard. Salopard, va. Putain. Allez, vas-y. Merde. Esquive. On dira que pour cette fois, c'était des prototypes. Ouais. Mais moi, je pense qu'on peut dire que pour cette fois, il y a un match nul. Hein? Ouais. Ah, match nul, arrête tes conneries, match nul, hein. T'as pas gagné, j'ai pas gagné. Personne n'a gagné. Voilà, on dira pour cette fois-ci, match nul, et puis c'est tout. Cette fois-ci. Mais il y aura une revanche, tu le sais bien. Il y aura une revanche. La battle 2.0. Avec des véhicules encore plus costauds.